Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo abdos. Donc ce sera 10 minutes d'abdos intensifs, donc ça va brûler. Donc ça va être en temps réel avec moi. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer par faire 30 secondes de planche. Donc on rentre bien le ventre, on gaine les abdos et c'est parti pour 30 secondes. Maintenant, on va faire des petits mouvements en avant et en arrière pour intensifier tout ça. Le prochain exercice, c'est le gainage latéral. Donc on va juste bien se mettre sur le côté, lever notre bassin et gainer les abdos. Allez, on reste. Vous pouvez le faire. Je vais vous montrer, il y a une alternative sur les genoux, donc je vous insérerai un petit plan de cette alternative là, maintenant. Allez, on tient toujours, on va bientôt passer au prochain côté. Pensez surtout à bien lever le bassin et à ne pas le laisser tomber vers le bas. Maintenant, on va venir s'asseoir, donc il va falloir ramener le buste et les jambes ensemble, soit sans les mains comme je vous le montre en ce moment, ou je vais vous montrer l'alternative avec les mains au sol. Prochain exercice, c'est le ciseau. Alors il suffit juste d'être sur le dos, mettez les mains sous les fesses pour pas avoir mal au dos, relevez la tête pour travailler encore plus intensément les abdos et faites des mouvements avec vos jambes comme je vous montre sur la vidéo. Dans celui-ci, il va falloir soit garder les jambes à la même hauteur, soit faire des petits mouvements des adducteurs. Pour celui-ci, on va venir faire un câlin à nos jambes avec nos bras.
Cet exercice-là, c'est un exercice que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il travaille vraiment les muscles. Il va falloir faire des rotations avec le buste de chaque côté. D'habitude, je prends un poids de 1 kg, mais là, je l'avais pas à côté de moi, donc voilà, je vous le montre sans, mais on peut faire avec. Allez, courage, on tient, pour moi ça pique aussi, mais allez, on va le faire. On continue avec les crunchs alternés, donc d'un côté et de l'autre, le coude opposé à votre jambe. Allez, ça brûle, je le sais, on continue. Vous êtes déjà à la moitié de cette vidéo, vous n'allez pas lâcher un si bon chemin. Cet exercice-là, c'est des relevés de jambes. Donc là, on les place dans cette position-ci que je vous montre en ce moment même. Et on va lever les jambes vers le ciel. On fait surtout attention à bien contrôler la descente, c'est très important. Allez, courage, celui-là, il pique. Allez, encore un petit peu. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, ça y est. On peut prendre quelques secondes pour étirer ses abdos. Prochain exercice, les relevés de buste. Donc c'est pareil, comme dans l'exercice précédent, il faut faire attention à bien contrôler la descente pour bien contracter les abdos. On lâche pas, on essaye de garder le même rythme. Je sais que c'est pas facile, mais on essaye. Encore quelques secondes et on va passer au prochain exercice. Dans celui-ci, il suffit de faire des inclinaisons avec le buste et de toucher un talon puis l'autre. Donc le droit, le gauche, le droit, le gauche et ainsi de suite. Avec tous les exercices avant qui ont bien fait travailler les abdos et qui les ont bien fatigués, vous verrez que celui-là, il pique aussi. Et pourtant, il n'a pas l'air. Avec un exercice fort en intensité, il s'appelle le Mountain Climber. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un genre de sprint qui va augmenter votre rythme cardiaque et faire augmenter aussi la température corporelle. Allez, on lâche pas, c'est bientôt la fin. On passe sur un exercice de gainage active, donc il va falloir faire une rotation avec votre bassin de droite à gauche en essayant de bouger le moins possible le reste du corps. Et bien sûr, vous continuez de rentrer le ventre. On souffle bien, la respiration c'est aussi important dans le gainage, dans les abdos, et ça y fait pour beaucoup. Allez, on repasse au gainage latéral, mais cette fois-ci un peu différent, on fait des oscillations de bas en haut avec le bassin, ou alors je vais vous montrer une autre alternative tout de suite. En général, cette alternative-là, je la fais avec un poids, donc il suffit de passer en dessous et de remonter au-dessus. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous allez voir avec les images. Donc regardez et vous comprendrez. Quand j'utilise un poids, j'utilise seulement 1 kg, mais vous verrez qu'avec seulement 1 kg, vos obliques vont bien travailler. On fait exactement la même chose de l'autre côté, et je sais pas si vous avez vu, du coup j'ai fait deux exercices, donc 15 secondes de l'un, 15 secondes de l'autre. Vous pouvez donc faire comme moi, ou alors vous choisissez un des deux exercices à faire pendant les 30 secondes. Donc là, pour ma part et pour ceux qui vont faire comme moi, je change d'exercice.
passe à l'avant-dernier exercice, donc pas des moindres, il s'agit du commando. Donc dans cet exercice, il faut juste descendre sur les coudes et remonter. Donc si vous pouvez alterner les deux côtés, c'est plutôt pas mal et ça fait bien fonctionner vos deux bras. Pensez, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, à bien rentrer le ventre, serrer le périnée et respirer. Restez pas en apnée. On termine par cet exercice-là, qui n'est pas des plus simples à la fin de toute cette séance. Il vous suffit de venir toucher l'épaule opposée avec la main et d'alterner les deux côtés. Ça sert vraiment à rien d'aller vite, alors contrôlez votre mouvement. Et c'est la fin de cette vidéo d'abdos en 10 minutes, il reste plus que 5 secondes. Allez, on tient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vos abdos ont bien chauffé. Si vous voulez que cette routine soit efficace, faites-la tous les deux jours et vous verrez les résultats. Pensez à boire et à vous étirer et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !